en des signes du temps. Face à ma page blanche, en silence j'attends, l'œil perdu dans le vide, en quête de ma muse. Parfois elle vient tôt, parfois elle s'amuse, mais toujours le sujet dans ces quelques instants prend place à mon esprit pour des vers haletants, laissant venir en moi l'alexandrin qui fuse, ou le quatrain complet que ma plume diffuse sur cette feuille vierge en des signes du temps. Je noircis à mesure une ou deux de mes lignes, en respectant la règle en dépit rectiligne. Et bientôt se dessine une ode ou le sonnet, en alternant la rime et la voulant parfaite, tout au moins suffisante et digne du carnet, pour que mon lectorat n'ait point l'âme défaite.